Alors, c'est un questionnaire auquel ont été confrontés tous nos invités. Il faut peut-être lui dire. So it's a Q&A that all of our guests have gone through. Cool. Okay. Quel est son groupe ou artiste préféré? Would be your favorite band or artist? A favorite band or artist? Favorite? Amy Winehouse. Ok. Son titre préféré de tous les temps? Your favorite track of all time? Favorite track of all time? Favorite? Oh dear. Of all time, one song I could listen to. I'll say Al Green, Let's Stay Together. Okay. Al Green, Let's Stay Together de Al Green. Très bien. Le premier album qu'il a acheté tout seul, on lui a pas offert. The first album that you bought on your own that wasn't offered to you. First album I bought. Something weird. The Westlife album. Westlife. Un album de Westlife, a priori. Ok. S'il boit de l'alcool, quel est son alcool préféré? If you drink alcohol, which one would be your favorite? If I did, it'd have to be Hennessy, just for the culture. Yeah. Je crois que ce serait le Hennessy, juste pour la culture et ce que ça représente. Ok. Est-ce qu'il y a un artiste qui l'a vu en live et qui l'a vraiment impressionné? There's an artist that you saw live that really impressed you. Chance the Rapper. Chance the Rapper. Est-ce qu'il y a un artiste qu'il n'a jamais vu en live et qu'il aimerait vraiment voir? An artist you've never seen live yet, you haven't seen it yet, but you would love to. Dead or Alive? Mm, dead or Alive. No, this person, are we talking dead or alive? You spin the right round. Alive, then, ouais, c'est ça, spin right round, c'était bizarre aussi. Because dead or alive was that band from the 80s doing you spin me right round. Merci. So, s'il est mort, je peux rien faire pour lui. A fortiori, live, if he's dead, then you would be able to see him anyway, so... Alive, that would be alive. Alive, someone I've always wanted to see. Pretty lucky I've been able to see most people through like festivals and touring. J'ai de la chance, j'ai vu à peu près tous les gens que je voulais voir en festival ou en tournée déjà. Ah, cool. Il y en a qui s'énerve dehors. Waiting for your answer. Who would it be? Si il trouve pas, c'est pas très grave. Yeah, if you don't have an answer, that's cool too. I have one. I'm just trying to see who I loved. I haven't been able to see. Actually, there's an artist called Daniel Caesar. Daniel Caesar, un très jeune artiste que j'ai pas encore vu. Yeah, I'd love to see him. Et j'aimerais beaucoup le voir en concert. Très bien. Est-ce qu'il y a un festival, une salle de concert ou un endroit où il adorerait aller jouer sa musique? Is there a festival or venue anywhere in the world that you'd love to play your music? I would love to play my music. Festival or venue? Or venue. Mythical. I'd love to play Royal Albert Hall in London. I've played it before as a different thing, but I want to headline as my own show at Royal Albert Hall in London. J'aimerais faire le Royal Albert Hall à Londres. J'y ai déjà joué, mais pas en tête d'affiche pour un petit extrait, je pense. Et là, j'aimerais bien faire le Royal Albert Hall en artiste complet, tête d'affiche. Quand il est en tournée comme il l'est actuellement, est-ce qu'il y a un objet à l'exception des instruments et de son téléphone qu'il emmène toujours avec lui? When you're going on tour or going around the world in general, is there an object apart from your phone or instruments that you always have with you? A lucky charm, something like that. I always have so many weird things. I always have my nasal spray. Mon spray pour le nez, mon eau de mer pour le nez. I'm allergic to everything, like allergic to dust, cats. So I always have a nasal spray to help me breathe. Je suis allergique à tout, à la poussière, au chat. Alors j'ai toujours un spray nasal avec moi pour m'aider à respirer. Du coup, je pense pas que ce soit son porte-bonheur. Donc, est-ce qu'il a un porte-bonheur? So it might not be your lucky charm. No, it's not. Is there a lucky charm? A lucky charm. I don't see, like with shows. I don't do like. I'm not a superstitious person. I don't even vocal warm up before shows. Like I think the more
you're just inviting stress. Like, I just believe in just being with good people before. I think that's my ritual, just be with kind people and have a good laugh before going on stage. I think people, if you have a lucky socks or lucky something, you're just, you're putting all your faith in objects. I just don't like to do that. I feel, because I'll probably lose my lucky charm by next week and everything will go to hell. Je suis vraiment pas superstitieux du tout. Je fais pas attention à ça parce que j'ai l'impression que c'est se mettre beaucoup de pression et de stress sur les épaules finalement. Si j'avais une chaussette porte-bonheur ou un truc comme ça, je serais forcément amené à la perdre un jour ou quoi. Ce serait source d'angoisse. Donc moi, j'ai pas de rituel non plus avant de tourner. Le seul truc que je fais, c'est que je fais même pas d'échauffement vocaux, pour vous dire. Je me mets en situation avec des amis à moi, des gens bons, de bonnes personnes, que je sais qui m'aiment et que j'aime. Et je passe un bon moment, je rigole avec eux. Et quand c'est le moment d'arriver sur scène, je suis détendu, bien et prêt à chanter et à donner le meilleur de moi-même. Très bien. Et la dernière question, s'il n'avait pas fait de musique, qu'est-ce qu'il aurait voulu faire comme métier? Last question. If you hadn't done music professionally, what job do you think you'd like to have done? I think I would be directing something, whether films, music videos. I think I'd be into something visual. Je crois que ce serait dans la réalisation des trucs visuels, que ce soit des clips ou des films directement. Je pense que ce serait de la création visuelle cette fois-ci.